Intéressé moi, c'est le fait que ce soit un plan roots, tu vois, de la musique roots, parce que j'avais pas envie de faire des choses qui ont déjà été faites et bien faites, des mélanges un peu vraiment très occidentaux, alors que nous on joue une musique très roots, et j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire de mélanger juste de la musique roots avec ces gnawa quoi. Ouais. Occidental malgré tout, donc on se force pas. Tout ce qu'on fait, c'est juste faire ce croisement avec la musique qu'on joue et ça m'intéressait vraiment parce que j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire. Quoi. Mélanger deux trans, mais voilà, les gars, c'est des blédards quoi. Ils sont du pays, c'est quelque chose de. Placé dans la salle de répé, et puis quand il a fallu parler, ben, on s'est tous regardés et puis on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on envoie un morceau. On avait prévu nous un peu d'envoyer quelques morceaux. On a commencé à jouer, il a joué par-dessus et puis on a vu comment ça tournait. Du coup on a un peu pressenti comment on allait travailler sur les autres. Et puis, du coup, petit à petit ça s'est enchaîné, on a travaillé les morceaux, essayé de peaufiner. Et puis eux nous ont présenté aussi des morceaux et du coup on a fait le travail inverse, s'adapter à ce qu'ils font c'était un petit bonheur tout ça quand même, malgré la pression, la tension, c'est du travail quand même. Malgré tout ça, c'était assez excellent de découvrir petit à petit. On s'écoute, on s'appréhende un peu au début, on se tourne un peu autour, on va dire, et puis au bout d'un moment, dans le regard, on comprend ce que ça veut dire. Tiens, bah à ce moment-là, ah, j'entends ce que tu fais, donc je sais que moi je peux partir là-dessus, etc. Donc oui, ça s'est fait beaucoup par l'écoute, hein, finalement, plus que par le dialogue direct. Voilà, on discutait de plein de choses, de la vie qu'eux ils ont là-bas, de notre vie à nous ici, etc. Mais finalement, à l'extérieur des moments de répète, pas trop de musique, parce qu'on n'utilise pas non plus les mêmes mots. Nous, en tant que musiciens occidentaux, on va parler de mesures, on va parler d'harmonie, etc. Eux, ça marche pas comme ça, c'est vraiment des appels, on s'écoute, il y a un chant qui va lancer les chœurs derrière, etc. Comment vous avez appris le guembré et comment vous êtes devenu malem? On a une famille qui vient de Koulsi. Il dit son père est malem, son grand-père, sa famille, tout. C'est d'origine, Gnaw. Depuis qu'il a 6 ans.
Parce que il y avait une petite barrière de communication, bon, on est un peu anticipé, hein. Mais voilà, ils ne parlent pas beaucoup français ni anglais, et nous, on ne parle pas beaucoup arabe. Mais quelque part, c'est ça qui est bien aussi, parce que ça t'oblige d'être très épuré dans l'échange, et aller à l'essentiel, bien réfléchir à ce que tu vas amener. C'est comme quand tu rencontres verbalement un étranger, ben, ça te ramène à des choses très basiques qui ont plein de charme et plein d'humour. Et donc il y avait un peu de ça qui est venu, mais sur un plan musical. Ben, je dirais que y a une partie qui ne peut pas bouger. Une partie intégrée au projet, c'est la trance. C'est qu'elle se retrouve dans l'afrobeat, elle se retrouve dans la musique nawa. Donc déjà, c'est vraiment une musique de trance. Ensuite, ce qui transpire de ça, c'est le côté rude au niveau des mélodies, au niveau des... au niveau de, voilà, du chant, de ces trucs-là, et ça va, à mon avis, ça reste Fang Nawa. Et il y a aussi les mélodies, voilà, les mélodies qui s'entrechoquent, les mélodies afro et les mélodies arabes. Et voilà, c'est, je pense que ça définit à peu près, même si chacun définit la musique comme il entend.